parler sur les gens qu'on va fréquenter, pas sur nos opinions politiques, pas sur nos opinions érotiques, éthiques, esthétiques, philosophiques, ontologiques, métaphysiques. On pourrait rester libre sur tout ça. Il s'agit simplement de consommer un peu moins, bordel. C'est quand même pas la fin du monde. Tu crées des personnages, tu crées un monde, tu crées un univers dans lequel tu vois des gens vivre de façon décroissante, avec des low-tech, avec des permacultures, dans un monde écologique intéressant, mais qui soit pas un monde de retour à la bougie. Redéfinir un nouvel imaginaire, c'est-à-dire écrire une nouvelle mythologie et travailler les symboles, c'est le plus important. Parce que beaucoup de nos actions sont mises en œuvre non pas pour ce qu'elles sont, mais pour acheter le regard de l'autre. Si tu passes pas par des percepts, par des affects, c'est-à-dire des modes de perception, si tes modes de perception et d'attention au monde n'ont pas été modifiés, et souvent ils sont modifiés par là, alors ton comportement va pas changer. C'est pas le fait de savoir ou d'être informé qui te fait changer, c'est le fait que tout un coup, ta perception